Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître et sans publicité. Arakaï, la 155e, avec toujours Piquecou à la régie, notre Jean dans les Pyrénées. Il est en train de papoter avec les marmottes. C'est lui qui sonne le réveil là-haut, sur le plan de Koumélie, le plateau de Koumélie. Mais l'autre pauvre Jean, il va falloir qu'il se rapatrie aujourd'hui. Ça, c'est moins drôle pour lui. Et Shlomo à la bavouille pour l'artiste dans la société, Henri Kahn. L'artiste en dehors de celle-ci, on pouf. L'artiste et l'engagement politique, alors là, c'est carrément la crise. L'artiste et la religion, alors là, on est tout à fait dans le sujet. Pour les artistes qui prient en pensant que, bah, il faut toujours mettre les cieux de son côté. C'est un peu comme le loto, hein, c'est un peu comme ces choses-là. Enfin bon, ils y croient en tout cas. L'artiste et la science, bon, c'est plus à part. J'ai un copain un peu un artiste, oui, qui s'est lancé dans la science depuis pas mal de temps. Il y en a même deux. Ils ont complètement lâché leur activité artistique pour faire des recherches. Il y en a, c'est en astronomie, l'autre c'est en mathématiques. Bon. Bref, l'artiste et l'autorité. Alors là, vous savez ce qu'on lui dit à l'autorité quand on est un artiste, ou même quand on ne l'est pas d'ailleurs. On lui dit merde, bon, pour être poli, on pourrait lui dire aussi plein d'autres choses. Voilà, vous êtes donc toujours sur Radio Libertaire pour un petit moment, une heure et demie, avec notre Piquecou qui va vous lancer la première pause musicroll. Bonjour, alors d'abord je vais vous rappeler le numéro du studio, le 01 43 71 89 40. Thank you.
Alors, vous venez d'entendre Kenny Arcana qui interprétait « Terre mère n'est pas à vendre ». Une bonne introduction musicale, non seulement à la mini-tube de Luminance, mais aussi à cette émission, au thème de cette émission qui sera consacrée à la paysannerie vue par le courant naturalisme de la fin du 19e avec des gens comme l'ermite, comme Lepage, comme Dupré, comme peintre, et puis aussi avec un texte de Zola sur le texte de la terre de Zola, enfin un extrait en tout cas, qui sera dit par notre camarade Pekeiko. Tout de suite, avec la mini-tube de Luminance, cher camarade Pekeiko, vous avez votre petit grain de sel à y mettre. Alors comme je n'aurai pas là, pour une fois c'est moi qui vais prendre la parole. Donc, gare aux bouffeurs d'hectares. Donc, je vais profiter d'une émission sur la paysannerie et le monde agricole pour évoquer la disparition des terres agricoles, la SAU, c'est-à-dire c'est la surface agricole utile. Donc, les surfaces agricoles reculent en France, comme dans toute l'Europe depuis les années 60. Ainsi, l'Europe a perdu 30 millions d'hectares de terres agricoles entre 1961 et 2003, ce qui représente une perte nette annuelle de 770 000 hectares par an. Donc c'est énorme. Sur la période récente en France, la perte de SAU se maintient à un rythme élevé et en augmentation permanente. Selon la statistique agricole annuelle, 98 000 hectares par an pour la période 1992-2003, soit l'équivalent d'un département tous les 10 ans. Donc à cela, trois raisons principales. L'abandon des terres agricoles, la production de biocarburants et surtout l'artificialisation des sols. Les sols agricoles et particulièrement les terres labourables sont le principal pourvoyeur, environ 80% des sols artificialisés. La demande en bâti et en infrastructures de transport constitue aujourd'hui la principale menace, accentuée par le fait qu'il s'agit souvent des meilleures terres. Alors quelques exemples d'aberrations. Par exemple, à Clermont-l'Hérault, près de Montpellier, Super-U démarre les travaux d'une nouvelle base logistique, 6 hectares de bitume et d'entrepôts en lieu et place de vignes. En fait, Super-U a offert aux viticulteurs 10 fois le prix que valait leur terre. À Lévins, dans les Alpes-Maritimes, suite à la révision du PLU, la mairie a déclaré constructible 15 hectares de terres agricoles. Près de l'aéroport de Roissy, Auchan veut implanter un ensemble de 80 hectares sous le nom de Repas, alors comprenant pistes de ski, cirque, mais surtout commerce, bureaux, restos, voilà. Et alors on enfume tout ça avec un enrobage de soi-disant culturel. En Corse, deux sœurs veulent virer un agriculteur qui travaille sur 22 hectares depuis 30 ans pour construire une maison. À Lyon également, un projet de stade géant, 60 000 places, qui doivent détruire 50 hectares de terres agricoles et maraîchères, alors qu'il y a déjà un stade de 40 000 places. Voilà, cette liste est loin d'être exhaustive. Il suffit qu'on se balade un petit peu sur les routes de notre pays pour faire le constat amer de l'extension permanente de ces zones d'activité et du bétonnage de notre environnement. Donc on peut dire un grand merci au Grenelle de l'environnement qui devait mettre en place dans chaque département une commission de la consommation des espaces agricoles. Et surtout, on voit que les promoteurs ont une longue vie devant eux. Merci beaucoup Pekeiko pour ce billet vraiment roboratif. On est en plein dans le sujet, oui, surtout que j'ai le souvenir, pour avoir vécu dans la campagne en Bigorre, dans les Pyrénées, lorsque j'étais enfant, dans les années, la fin des années 40, au début des années 50, jusqu'au début des années 60, dans une campagne encore cultivée par des agriculteurs modestes qui avaient en propre peu de terre, mais qui louaient aussi pour compléter le peu de terre dont ils étaient propriétaires, qui louaient des terres à des veuves d'agriculteurs ou des veuves de d'agriculteurs morts à la guerre et qui pouvaient plus poursuivre l'exploitation toute seule et qui louaient les terres à mi-fruit, comme on dit dans les campagnes, c'est-à-dire que celui qui louait, il payait la moitié de ce que produisait la terre. Voilà. Alors c'était une campagne
ou si vous voulez, c'était une culture, on dirait vivrière, un petit peu comme on dit dans les pays dits ou développés. C'est-à-dire que c'était d'abord une culture, une paysannerie qui assurait comme ça son autosuffisance. Le surplus étant vendu sur les marchés. Par là, dans ce pays-là, c'était à Tarbes le samedi. Les paysans allaient avec leur voiture, aller voir les voitures, ou en charrette, en charrette tirée par des vaches. Ils appelaient ça je me souviens plus très bien, des tombereaux. Ils allaient vendre donc le surplus de leur production agricole, qu'elle soit maraîchère, qu'elle soit fruitière. Ils allaient vendre ça donc sur un marché où il y avait éventuellement des grossistes qui pouvaient leur racheter leur surplus. Voilà. Donc c'était une vie sans tracteur, une vie sans moissonneuse-batteuse, une vie sans engrais chimiques. Une vie où le maïs n'envahissait pas toute la campagne comme c'est le cas aujourd'hui. J'y suis passé il y a quelques années et c'était complètement il n'y avait plus de champs de céréales d'hiver comme le blé, l'avoine, le seigle, etc. Il n'y avait plus que des champs de maïs. Il n'y avait plus non plus de champs où on pouvait cultiver des choux, des tomates, etc. C'était que du maïs, puisque là-bas maintenant c'est le gavage des oies, le gavage des canards qui rapporte du fric avec le foie gras, etc. J'y ai assisté donc à la fin de cette campagne qui n'avait pas tellement bougé depuis le temps des peintres dont on va vous parler dans la suite de cette émission, une campagne où les fermes avaient encore un sol en terre battue, où on avait quelques vaches, on avait quelques cochons, on vivait là-dessus, jusqu'au jour où est apparu le premier tracteur d'occasion dans le village. C'était un vieux Masséiaris ou Ferguson. Et à partir de là, le village a commencé, parce que chez les paysans, c'est un petit peu, si vous voulez, j'ai jamais très bien expliqué leur manière de faire ou de, mais il y a une espèce de suivisme comme ça. Il y en a un qui achète un tracteur, alors tout le monde veut son tracteur. C'était des tracteurs complètement pourris à cette époque-là. C'était des trucs d'occasion, des rebuts du machinisme agricole américain. Et puis la première moissonneuse-batteuse est apparue, et puis ça a été la fin, si vous voulez, dans ces villages, on vivait au rythme, évidemment au rythme des saisons, mais au rythme des travaux agricoles que les villageois se partageaient. Pour les plus gros, comme à l'automne, ils allaient dans les bois communaux faire le bois pour l'hiver. Quand il y avait les dépiquages, on appelait ça les dépiquages, ils battaient le blé. Alors tout le village s'y mettait pendant un mois. On allait de ferme en ferme avec des vieilles batteuses à vapeur. Et puis ça faisait des fêtes pendant un mois, parce que tous les soirs il y avait des tablés énormes, enfin tout le village quoi, et vraiment c'était extraordinaire. Tout ça a disparu au début des années 60 avec l'arrivée donc des machines dans les campagnes, et puis après je veux dire c'est la monoculture quasiment du maïs qui a pris la relève de l'autosuffisance qui était une manière de vivre de cette époque. Voilà, tout ça pour dire que ça s'arrange pas, que ce que a évoqué pour vous Piquecou avec la perte de terres agricoles, et comme elle l'a dit, 80% des terres artificialisées sont des terres les plus riches, celles sur lesquelles on pourrait cultiver du blé, on pourrait cultiver des produits nécessaires à la vie. Maintenant, c'est plutôt des produits nécessaires à la mort, puisque on sait bien que avec l'agriculture intensive, c'est l'empoisonnement généralisé. Voilà. Tout ça pour vous mettre un petit peu en bouche ce matin, vous donner la pêche pour la journée. non, mais après, on va se rattraper avec la suite de l'émission qui concerne le naturalisme à la fin du 19e siècle. C'est canto. Thank you.
C'était une petite virée dans les Pyrénées avec Secanto. Oui, un chant qui déborde des Pyrénées d'ailleurs, parce que je me souviens l'avoir chanté en duo avec en Provence et qui avait été félicité par les gens du village où j'étais en Provence il y a quelques années en relégation. Voilà, donc un chant, mais un hymne aux Pyrénées qui déborde largement son aire géographique. Et tout de suite, on va passer au gros de cette histoire de naturalisme avec le père Zola et son roman de la Terre, c'est-à-dire La Terre, qu'il a publié en 1887. C'est le 15e volume de la série des Rougon-Macquart, une série assez passionnante que je conseille pas, parce qu'on ne conseille pas ici, mais que on suggère que vous lisiez si vous l'avez déjà fait, ou relire si vous l'avez déjà lu. Zola y dresse en effet un portrait féroce, c'est le moins qu'on puisse dire, du monde paysan dans la Beauce à la fin du 19e siècle. Rappelons que le naturalisme consiste en la recherche des causes du vice dans l'hérédité, d'où des portraits très typés. Ça aussi, c'est un doux euphémisme. Il s'agit ici d'une scène plutôt descriptive des travaux des champs que nous illustrerons à travers trois œuvres dont je vous ai parlé tout à l'heure, par les peintres. Là. Jean, ce matin-là, un semoir de toile bleue noué sur le ventre, en tenait la poche ouverte de la main gauche et de la droite, tous les trois pas, il y prenait une poignée de blé que d'un geste à la volée, il jetait. Ses gros souliers trouaient et emportaient la terre grasse dans le balancement cadencé de son corps, tandis que, à chaque jet, au milieu de la semence blonde, toujours volante, on voyait luire les deux galons rouges d'une veste d'ordonnance qu'il achevait d'user. Seul, en avant, il marchait, l'air grandi. Et derrière, pour enfouir le grain, une herse roulait lentement, attelée de deux chevaux, qu'un charretier poussait à longs coups de fouet réguliers, claquant au-dessus de leurs oreilles. C'étaient des murs bas, une tache brune de vieilles ardoises. Sous le ciel vaste, un ciel couvert de la fin d'octobre, 10 lieues de culture étalaient en cette saison les terres nues, jaunes et fortes, des grands carrés de labour qui alternaient avec les nappes vertes des luzernes et des trèfles. Et cela, sans un coteau, sans un arbre, à perte de vue, se confondant, s'abaissant, derrière la ligne d'horizon, nette et ronde, comme sur une mer.
Du côté de l'ouest, un petit bois bordait seul le ciel d'une bande roussie. Au milieu, une route. La route de Châteaudun à Orléans, d'une blancheur de craie, s'en allait toute droite pendant 4 lieues, déroulant le défilé géométrique des poteaux du télégraphe. Et rien d'autre que 3 ou 4 moulins de bois sur leurs pieds de charpente, les ailes immobiles. Des villages faisaient des îlots de pierre. Un clocher au loin émergeait d'un pli de terrain, sans qu'on vît l'église dans les molles ondulations de cette terre du blé. Mais Jean se retourna et il repartit du nord au midi, avec son balancement, la main gauche tenant le semoir, la droite fouettant l'air d'un vol continu de semences. On devinait les prairies et les ombrages qu'à une ligne de grands peupliers, dont les cimes jaunies dépassaient le trou pareil au ras des bords à de courts buissons. Du petit village de Rogne, bâti sur la pente, quelques toitures seules étaient en vue, au pied de l'église, qui dressait en haut son clocher de pierre grise, habité par des familles de corbeaux très vieilles. Lorsque Jean fut au bout du champ, il s'arrêta encore, jeta un coup d'œil en bas, puis il remonta. Et toujours, et du même pas, avec le même geste, il allait au nord, il revenait au midi, enveloppé dans la poussière vivante du grain. Pendant que derrière la herse, sous les claquements du fouet, enterraient les germes du même train doux et comme réfléchi. De longues pluies venaient de retarder les semailles d'automne. On avait encore fumé en août et les labours étaient prêts depuis longtemps, profonds, nettoyés des herbes salissantes, bons à redonner du blé après le trèfle et l'avoine de la seulement triennale. Aussi la peur des gelées prochaines, menaçante à la suite de ces déluges, faisait-elle se hâter les cultivateurs. Le temps s'était mis brusquement au froid, un temps couleur de suie, sans un souffle de vent, d'une lumière égale et morne sur cet océan de terre immobile. De toutes parts, on semait. Il y avait un autre semeur à gauche, à 300 mètres, un autre plus loin, vers la droite, et d'autres encore, s'enfonçaient en face, dans la perspective fuyante des terrains plats. La terre d'Émile Zola. Nombreuses publications, vous pouvez commander le livre auprès de la libraire Publico, 145 rue Amelot, 75-011 Paris, métro Oberkamp, fille du calvaire ou République. Mon Jean n'est pas là pour m'en rappeler. Et je suis un peu désemparé. Téléphone 01-48-05-34-08. Le site www.librairie-publico.com. Et alors donc en folio classique, avec une reproduction en couverture du tableau de Julien Lepage, de Jules Bastien Lepage, dont on va vous parler dans cette émission. Voilà. L'extrait que vous a lu Piquecou semble comme ça assez pas vraiment gentil, mais bon, il n'y a pas de choses trop difficiles qui se passent. Par contre, dans le reste du livre, vous risquez d'avoir des cauchemars si vous lisez ça le soir, voilà. Là, c'est juste le début du roman. Oui, tout à fait, bien sûr, mais ça va crescendo et ça va très loin.
Les Mangeterres, un texte de Gaston Coutet, interprété par Marc Robin. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, sans gens aussi. À Raquel, la 155e, avec Piquet-Cou à la régie, notre hussard noir de la République, toujours dans ses Pyrénées, dans un dialogue constructif avec les marmottes, mais qui va se rapatrier dans la journée vers Pantruche, et donc sera là mardi prochain. Hein, vous pourrez entendre sa voix mélodieuse qui va pouvoir encore une fois vous bercer avec des belles histoires de vie, histoires d'artistes, qui aujourd'hui est consacrée à la peinture naturaliste au 19e siècle. Un regard sur la paysannerie avec la paye des moissonneurs de Léon l'Ermite. De son nom exact avec ses prénoms, Léon Augustin, c'est très joli Augustin, j'en ai connu un dans les Pyrénées, l'Ermite 1844-1925. Vous savez que notre Jean tient aux dates, alors bon, il faut s'y coller. Fils d'un instituteur, ah les instituteurs, les hussards noirs de la République, comme notre Jean, qui l'encourage dans sa passion du dessin, Léon, né dans l'Aisne, alors que la France est à cette époque épique majoritairement paysanne, va se consacrer à témoigner de la vie sociale, ouvrière et paysanne de son époque. Oui, parce que sur la terre, il y a les ouvriers journaliers. Nous nous attachons aujourd'hui, enfin on essaye en tout cas dans la mesure de nos petites possibilités, à essayer de vous faire partager l'émotion que son œuvre suscite pour ceux qui savent la regarder autrement qu'avec les yeux. Mais avec les yeux aussi, hein. Mais pas seulement avec les yeux, c'est pas seulement de l'esthétique, hein, s'il y a autre chose qui passe là-dedans. Avec la paye des moissonneurs, une des toiles la plus connue, accrochée au 6 mètres d'Orsay dans l'espace réservé aux naturalistes. Dans cette scène paysanne, le maître, en blouse bleue, paye les journaliers réunis dans la cour de ferme. Une scène toute de grandeur et de dignité. Une mère nourrissant son enfant, un jeune garçon qui reçoit sa paye, la main posée sur sa faux, dans l'attitude classique du faucheur au repos. En face à face virile avec le fermier, au premier plan, ce qui donne toute sa force à l'œuvre, un vieux moissonneur magnifique. Pour moi, c'est vraiment la peau tannée, maigre, assis sur un banc de pierre, sans regard, vidé par la fatigue d'une journée de chagrin sous le soleil des moissons. Non, mais faut voir le... comment il est droit, assis, c'est pas du tout à les épaules affaissées, non, très droit, appuyé sur sa faux. Louis III, malgré son harassement visible, droit, digne et altier. Vous savez, ces personnages, j'ai appris qu'en fait, dans beaucoup de ses peintures, il reprenait les mêmes modèles. On reconnaît les mêmes modèles dans ses peintures. C'est parce que bon, il avait pas tort d'ailleurs, parce qu'ils étaient tout à fait représentatifs des paysans de cette époque. Et la monumentalité du tableau ajoute à la stupeur, parce que c'est un très très grand tableau, un hymne grandiose au monde paysan, réaliste, bien que sûrement un tout petit peu idéalisé, en regard de la beauté de ces prolos de la terre. Non par une tromperie délibérée à fin de propagande, mais par un regard empreint d'une vraie empathie pour ce monde rude, de labeur et de peine. Une peinture de pâte et de couleurs, de mouvements de pinceau, de chaleur, d'ocre, de chair travaillée, de patine et de beauté. Avec toute la subjectivité attachée à cette pratique qui, parfois, pas toujours, mais parfois, invite un chef-d'œuvre à sa table. Et vraiment, si je peux plaider pour que vous vous déplaciez pour aller devant cette œuvre, et que ma plaidoirie vous y conduise, et ben on aura fait notre boulot. Voilà, c'est que pour moi, en tout cas, l'Ermite, on va vous parler aussi, Piquet-Cou va vous parler tout à l'heure de Lepage, qui est un autre monument, et puis je vous reparlerai par la suite de Dupré, mais l'Ermite et Lepage aussi quand même, je reconnais que Lepage il est pas mal dans son genre, sont vraiment des gens qui nous ont qui nous permettent encore de pouvoir vivre avec ces travailleurs de la terre qui faisaient vraiment, il n'y avait pas de retraite à ce moment-là, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait rien.
Il n'y a pas longtemps d'ailleurs qu'il y a la sécurité sociale pour les journaliers dans nos belles campagnes. Même si elle est obligatoire, elle n'est pas toujours vraiment observée. Jacqueline François, le chant des moissons. Et tout de suite, on passe à un gros morceau, aussi à Julien, à Jules-Baptiste Lepage, dont Piquet-Coup va vous conter, vous narrer les exploits. Jules-Bastien Lepage est un peintre naturaliste français, donc 1848-1884. Né dans un milieu modeste de paysans, il arrive à Paris en 1867. Il entre à l'administration générale des postes comme surnuméraire, ce qui va lui laisser le temps de travailler le dessin. À la même époque, il ne sera pas reçu à l'école des beaux-arts de Paris, et l'année suivante, il est admis dans l'atelier de Cabanel, où il s'entraîne à dessiner. C'est le 20 octobre 1868 qu'il est reçu premier au concours et qu'il entre à l'école des beaux-arts. En 1873, il expose, au printemps, c'est le nom de la toile, et en 1874, Mon grand-père, tous deux particulièrement appréciés par les critiques. En 1875, l'Annonciation au Berger lui permet d'être deuxième au Grand Prix de Rome, et il va hésiter entre deux directions, les thèmes traditionnels et ses goûts pour les scènes de la vie paysanne. Petit-fils de Millet et de Courbet, au dire de Zola, Jules-Bastien Lepage privilégie les scènes agrestes, loin des mièvreries pastorales dont le salon abondait. Les foins, donc qui est la toile que nous allons évoquer là, suscite l'enthousiasme de Zola, qui voit le chef-d'œuvre du naturalisme en peinture. Donc au premier plan sur la toile, deux faucheurs, un homme et une femme, sont au repos lors de la pause méridienne. La paysanne est assise, son regard fixe ne voit rien, comme dit le peintre lui-même. Elle porte sur son visage une expression hagarde marquée par l'épuisement. Elle reprend des forces. Allongée derrière elle, l'homme est endormi, un chapeau de paille sur les yeux pour se protéger du soleil brûlant.
À l'arrière-plan, des tons verts et blancs dessinent les champs. La ligne d'horizon, placée très haut, établit les deux faucheurs en plein milieu du champ. Et cette scène est inspirée d'un poème. Sur un tas d'herbes fraîches ayant fait sa litière, le faucheur étendu dort en serrant les poings. Assise près de lui, la fameuse allée rêve les yeux ouverts, alanguie et grisée. Voilà, Les Foins, donc cette toile de 1877, une longue analyse descriptive du tableau de Bastien Lepage par le critique Paul Mantz. Paul Mantz, qui était historien et critique d'art et membre du jury lors du salon de 1878, permet de mieux comprendre la complexité des réactions de l'époque devant ces images de moments de repos après des travaux pénibles. Je cite « Cette paysanne est un monument de sincérité. Elle est très hâlée par le soleil, elle est laide, la tête est carrée et mal dégrossie. C'est la reproduction implacablement fidèle d'une jeune campagnarde qui ne s'est jamais regardée au miroir de l'idéal. Mais dans cette laideur, il y a une âme. Cette faneuse, si vraie par l'attitude, les yeux fixés vers un horizon mystérieux, est absorbée par une pensée confuse, par une sorte de rêverie instinctive et dont l'intensité se double de l'ivresse provoquée par l'odeur des herbes coupées. Le son d'une cloche, l'appel du maître des faucheurs, l'attireront bientôt de sa contemplation muette. Elle reprendra son dur travail, elle rentrera dans les fatalités de la vie réelle. Mais pendant cette rude journée, l'âme aura eu son entracte. De tous les tableaux du salon, y compris les tableaux religieux, la composition de Bastien Lepage est celle qui contient le plus de pensées. » Voilà, fermez les guillemets. On peut mesurer à quel point le tableau va au-delà de ce texte. Il remporte un vif succès au salon de 1878. La composition est audacieuse et photographique. La ligne d'horizon est inhabituellement haute, laissant les foins éponymes ressemblant à une étoffe d'un jaune très pâle et tissé d'argent, occuper l'essentiel de la toile. Ces effets de perspective accélérée, la palette claire, le cadrage rapproché sur les personnages constituent au sein même du naturalisme des signes de modernité. Voilà, et je terminerai sur cette citation de Bastien Lepage. « Je me suis mise à faire ce que je voyais, tâchant d'oublier ce qu'on m'avait appris. » Merci Piquet-Cou. Oui, bien sûr. Enfin, sais-tu, la relation de cette critique, il y a des choses qui peuvent nous sembler à nous aujourd'hui un petit peu pas désuètes, mais de qualifier cette paysanne, de dire qu'elle est laide, de décrire qu'elle est laide parce qu'elle a une tête carrée et mal dégrossie, je trouve que c'est un petit peu... c'est une relation un peu bourgeoise, un peu... Voilà. Moi, je pense qu'on peut être très beau en ayant un visage carré et mal dégrossi, surtout si on est une femme. Voilà. Et j'ai connu des jeunes campagnards et des jeunes... Et d'ailleurs, c'est vrai que parce que si vous regardez ce tableau de Lepage, vous verrez que cette paysanne, elle n'est pas si laide que ça. Au contraire, pour moi en tout cas. Mais même, elle est très belle, quoi. Voilà. Et puis de dire que dans cette laideur, il y a une âme, comme si c'était quelque chose d'assez exceptionnel, que dans la laideur, il y a une âme, je trouve que c'est un petit peu dur à supporter. Mais enfin, bon, c'est une critique qui a été faite à la fin du 19e siècle par un critique bourgeois. Et bon, on ne peut pas non plus trop en demander à ce genre de personnage. C'était pas Zola, hein. Voilà. Enfin, merci beaucoup Piquet-Cou. En tout cas, nos auditeurs pourront se rendre compte de visu s'ils se bougent au salon, enfin, au musée d'Orsay pour voir cette peinture. D'autant qu'elle est située juste à côté de la paille des moissonneurs. Voilà. La terre est basse. Et je vois le soleil si haut que j'aimerais m'arrêter au flanc d'un coteau. Mais la moisson va se lever pour nous demain et nous l'embrasserons à pleine main. La terre est basse et là-haut le soleil si chaud que je voudrais m'endormir au bord d'un ruisseau, mais le fruit
se penchera vers toi jusqu'à tes lèvres, ô mon amour. Plus lourds s'en iront les chalands quand nos mains auront fait les moissons, et nous reviendrons à Palan sous un ciel tout vibrant de chansons. Alors les fiancés apparaîtront main dans la main, et nous irons danser dans les greniers pleurant le grain. La terre est basse et je vois le soleil si que j'aimerais m'arrêter au flanc d'un coteau, mais la moisson va se lever pour nous demain, et nous la brasserons à pleine main. La terre est basse et là-haut le soleil si chaud que je m'endormir au bord d'un ruisseau, mais le fruit mûr faisant ployer ses branches un jour se penchera vers toi jusqu'à tes lèvres, ô mon amour. Ce jour-là, le cœur comblé devant tous ces cadeaux du ciel, nous dormirons au creux des blés dans les bras du soleil. Léon Marjan, La Moisson. La Moisson, oui. Bon, pour introduire, si on peut dire ça comme ça, n'ayez pas des pensées mauvaises, là, toujours dans la peinture naturaliste au XIXe siècle, un regard sur la paysannerie avec La Fenaison de Julien Dupré. La Fenaison, toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Raquel, 155e, avec Piquet-Coup à la régie, Jean, sur le départ dans les Pyrénées, il va devoir quitter ses marmots de chérie, et Shlomo, qui vous parle, là, tout de suite, maintenant, de ce camarade peintre naturaliste, Julien Dupré, enfin, camarade, il est un petit peu à la ramasse en ce moment, mais bon... Il a vécu de, entre 1851 et 1910, il est jeune quand même, hein, ça fait 49 ans. Oui. Donc peintre naturaliste, Tel Millet, Jules Breton, l'ermite ou Bougereau. Il est l'un des meilleurs peintres animaliers de son temps. Il partageait ça peut-être avec Rosa Bonheur, dont on vous a parlé dans une autre émission, je crois. En tout cas, on va en parler. Oui, en tout cas, on va en parler. On est allé dans son petit musée du côté de... Thomery, à côté de Fontainebleau. Voilà, l'ancienne patrie du Chasselas. Donc, lui, il est effectivement un des meilleurs peintres animaliers de son temps, qui observe et peint avec beaucoup d'exactitude aussi la vie des paysans en jouant beaucoup sur la lumière. Il met du relief dans sa peinture en accentuant les effets pour donner de la force à son travail. Oui, c'est là que je le suis pas tout à fait. La peinture à effet, ça me donne un peu du bouton. Au contraire d'un l'ermite qui reste au plus près de la chromie naturelle, qui peint la glèbe sans y ajouter d'effets qui rendent la terre surnaturelle. Alors, les œuvres de Dupré sont brillantes, mais pour moi, en tout cas, elles n'attachent pas le regard et ne font pas battre le sang dans mes artères. Avec la mauvaise foi qui me caractérise la plupart du temps, je dirais que c'est une peinture salonarde, loin, très loin, de la sensibilité qui a accouché de la paye des moissonneurs. La preuve, là encore, de ma mauvaise foi, la presque totalité de son œuvre se fait une ligne aux États-Unis, comme celle d'ailleurs de Rosa Bonheur. Et pour moi, c'est pas un critère de qualité. Non, mais c'est pas bien, je sais, je devrais pas dire des choses comme ça. Qui, malgré la beauté de ses sujets, moissonneurs, faneurs, laboureurs, treilleuses de vaches, bergères, farcheurs, gardeuses d'oies, dans des paysages bucoliques de cartes postales, nous permet de voyager dans cette époque révolue à jamais,
où la campagne était respirable. Oui, c'est vrai qu'on respire beaucoup avec Dupré. Le vert domine, les petites fleurs et tout ça. Oui, c'est très... Et puis c'est... Par contre, ces paysannes, elles sont pas comme celles de Lepage. Elles sont pas laides et ont des visages carrés. Non, non, c'est des accortes paysannes. On peut dire ça comme ça. Mais enfin, c'est un paysage sans tracteur ni moissonneuse batteuse, épandeur d'engrais chimiques et de pesticides mortifères pour l'espèce humaine, avec encore des abeilles et un tout le petit peuple des champs et des prés. Voilà ce qui rend la peinture de Lepage quand même sympathique, même si elle n'a pas pour moi toute la force de celle des deux peintres dont vous a parlé précédemment, l'ermite et Lepage. Mais enfin bon, c'est comme ça, blues américain. On peut tout à fait l'accepter. Et puis, c'est regardable, surtout sur les calendriers. Mignonne, quand la lune éclaire la plaine, au bruit mélodieux, lorsque l'étoile du mystère vient sourire aux amoureux. As-tu parfois sur la colline, parmi les souffles caressants, entendu la chanson divine que chantent les blés frémissants? Mignonne, quand le soir descendra sur la terre, et que le rossignol viendra chanter encore, quand le vent soufflera sur la verte bruyère, nous irons écouter la chanson des blés d'or. Nous irons écouter la chanson des blés d'or. As-tu parfois sous la ramure, à l'heure où chantent les épis, écoute leur joyeux murmure au bord des vallons assoupis? Connais-tu cette voix profonde qui revient au déclin du jour, chantée parmi la moisson blonde, des refrains palpitants d'amour? Mignonne, quand le soir descendra sur la terre et que le rossignol viendra chanter encore, quand le vent soufflera sur la verte bruyère, nous irons écouter la chanson des blés d'or. Nous irons écouter la chanson des blés d'or. Mignonne, allons à la nuit close rêver aux chansons du printemps, pendant que des parfums de roses viendront embaumer nos 20 ans. Aimons sous les rameaux superbes, car la nature aura toujours du soleil pour dorer les gerbes et des roses pour nos amours. Descendra sur la terre et que le rossignol viendra chanter encore, quand le vent soufflera sur la verte bruyère, nous irons écouter la chanson des blés d'or. Nous irons écouter la chanson des blés d'or.
Les Blés d'Or, alors une chanson de 1890 qui là était interprétée par Jacques Lantier. Et si vous allez la regarder sur le net, effectivement, je ne sais plus, c'est sur YouTube en fait, on peut voir justement tous les tableaux de Julien Dupré qui illustrent cette chanson. Oui, et donc la musique va vraiment bien avec. La musique était composée au 19e aussi. 1890, oui, pareil. 1890, oui. Voilà, c'est ça. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, la plus libre des radios, la plus rebelle des radios, les plus rebelles des émissions, avec des animateurs, je vous dis pas, du rebelle de chez rebelle, quoi. Radio Libertaire, sans Dieu, sans maître et sans pub, à Racaille, la 155e, avec Piquet-Coup à la régie, et qui est composée ce... qui a composé ce programme musical, c'est du boulot. Enfin bon, elle s'en sort toujours très bien. C'est pas pour lui tresser les couronnes de fleurs, mais bon, un peu quand même aussi, parce que c'est, on tient pas la perte tout de suite. Et puis, sans l'autre Jean, qui est, encore une fois, je vous le rappelle, parce qu'il faut bien que vous intégriez cette news, et dans les Pyrénées, sur le plateau de Coumélie, à 1700 mètres d'altitude, une cohabitation parfaite avec les marmottes, et qui va redescendre de la montagne, aujourd'hui même. Il redescend à pied jusqu'au barrage, un barrage, je ne sais pas lequel barrage, mais un barrage. Et là, eh bien, il se rapatrie sur Lourdes, sur Toulouse, et où il prendra un moyen de locomotion plus rapide pour rentrer sur Pentruche. On l'attend. Avec tout de suite, on va passer aux expos à ne pas manquer. Alors, avec la principale, évidemment, le musée d'Orsay et ses collections permanentes. Le musée d'Orsay, vous savez, hein, rue de la Légion d'honneur, 75007 Paris. C'est pas loin de l'Assemblée nationale, sur la rive gauche. Un très beau musée, une ancienne gare ferroviaire, la gare d'Orsay, dont ils ont gardé toute l'infrastructure, ils ont aménagé ça pour pouvoir présenter des œuvres du 19e, justement c'est consacré entièrement au 19e, musée d'Orsay. Peinture, sculpture, alors il y a les nabis, il y a les impressionnistes, il y a les naturalistes, c'est là qu'il y a la fameuse toile de Courbet, l'origine du monde, qui a beaucoup de succès toujours, et puis aussi même l'enterrement à Ornon, etc. Et l'atelier aussi de Courbet, oui. Et puis donc cette peinture naturaliste, et aussi il faut insister là-dessus. Vous avez un certain nombre de Millet, de Corot, qui pour moi sont vraiment des références, enfin c'est un peu con de dire ça, que j'aime beaucoup. Musée d'Orsay à Paris, là vous avez évidemment un panorama, mais il y a énormément aussi de musées de province qui abritent des œuvres de cette période. On va pas vous en faire une liste parce que c'est assez long, mais si vous baladez en province ou si vous êtes en province, bah vous pouvez prospecter un petit peu dans votre région pour trouver des œuvres naturalistes. Il y en a en province, c'est sûr. Il y en a aussi au musée des arts et traditions populaires à Marseille, qui était avant à Paris, mais maintenant qui a déménagé là-bas au Fort Saint-Jean. Vous pouvez trouver... en tout cas, même l'avantage de ce musée des arts et traditions populaires, art et tradition populaire, c'est qu'il y a aussi des ateliers reconstitués, des intérieurs paysans reconstitués, magnifiques. Mais c'est pas sont pas des créations. Ils ont pris dans des anciens ateliers, dans des anciens habitats paysans, ils ont pris les meubles, ils ont tout reconstitué à l'identique. Et c'est assez magnifique quand on veut s'imprégner un petit peu de l'atmosphère de cette époque, des outils, de l'intérieur d'un lieu d'habitation, etc., pour un peu comprendre, être plus sensible à la peinture naturaliste. Voilà. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, Piquet-Coup ? Non, pas spécialement. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Après, on reparlera de Millet, Corot, tout ça au mois d'août ou au mois de juillet. On verra. Ouais. Et de Rosa Bonheur aussi. De Rosa Bonheur. Et de qui d'autre encore, peut-être. Bon, on avait dit qu'on ferait une émission peut-être spéciale sur les glaneuses et les glaneurs. Ouais, d'accord. Voilà.
Bon, ok, voilà, vous connaissez un peu le programme, donc jusqu'en juillet. On doit recevoir le 19, ici, Nathalie. Nathalie Heinick, oui. Qui nous parlera de son livre là, de la visibilité, qui est sorti il y a à peu près un mois, je crois, uh-huh. un mois et demi. Enfin. Et que notre Jean est en train de se payer cette semaine le paveton dans ses alpages. Quel courage! Voilà, tout ça, ça sera mis en place pour le 19 avec notre Jean, avec Piquet-Cou, et moi-même et la Nathalie Annick. Ouais, voilà. Non, c'est quelqu'un, c'est une, qu'est-ce qu'elle est, chercheuse? Elle est directrice de recherche au CNRS. Au CNRS, voilà. Donc c'est pas quelqu'un qui fait dans la fiction, mais qui expose bien les thèmes de ses bouquins. Ça tourne beaucoup autour de l'art contemporain, et c'est vraiment fait sans parti pris, sans polémique. C'est très très bien. C'est très, on pourrait dire, objectif. De sortir ce mot invraisemblable. Bien, pour conclure par l'émission tout de suite, parce que vous savez que vous avez les annonces trad qui vont se ramener leur petite margoulette, mais enfin une petite pause musicale. Ben, je peux rappeler aussi l'adresse du blog, parce oui. que bon, après Jean va nous mettre tout ça sur le blog, oui. donc on ne sait pas encore quelle illustration il va choisir. Le blog, c'est http://arakai.blogspot.fr. Voilà. C'est un blog qui est administré par notre camarade, qui évidemment, puisqu'il n'est pas là, est un petit peu en vacances, le blog. T'es paysan, tu serais paysanne. Il est joli ce mot, tu trouves pas? Parfois mes gros sabots t'écrasent une larme, mais tu me calmes, tu m'en veux pas. Si j'étais paysan, tu serais paysanne. J'ai trouvé ce mot sur mes pas. Tu germais dans mon sillon, graines de sésame, mon grain de peau, mon pain, ma foi. Je sème la bourre, sarc les fans, un sacré terroir, sol ingrat. Toi seul berce dans tes bras ma charrue et sa vieille lame. Tu serais paysanne. Il te va bien ce mot, il m'envahit. Un pays sans paysan n'est pas un pays. Je ne serai pas sans ma paysanne. Alors, sur des paroles de Claude Nougaro, c'est Géant qui interprétait Paysan, Paysanne. Et c'est un morceau qui est extrait d'un CD qui a été édité par la Confédération Paysanne pour ses 20 ans. Un syndicat agricole qui n'est pas aux ordres des grands semenciers, des grands, etc., propriétaires terriens comme la FNSEA, qui est responsable de la dégradation de notre campagne, enfin de notre
Oui, la nôtre, parce qu'elle nous appartient, elle appartient pas à ceux qui la dégradent, voilà. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, la radio rebelle par excellence, une des seules qui reste, qui survit sans publicité, une radio qui a besoin, justement, pour survivre sans publicité, de la participation de ses auditeurs à sa vie, mais pas seulement sa vie, d'écoute d'auditeurs, mais aussi sa vie matérielle. En souscrivant à une carte d'auditeur de 20 euros que vous pouvez trouver à la Libraria Publico, une des trois œuvres de la Fédération anarchiste, qui je rappelle sont la radio, où, que vous écoutez en ce moment, et où nous agitons, la Libraria Publico et le Monde Libertaire. Je me suis bien fait comprendre, une carte d'auditeur de 20 euros que vous pouvez retirer à la Libraria Publico, aussi une souscription où vous pouvez verser tous les mois au minimum de 5 euros pour soutenir notre radio. C'est, comment dirais-je, bien sûr, par les temps, on dit qu'il court, mais en ce moment il court pas, il galope. La thune se fait rare, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment à quelques euros près, et bon, ceux-là qui ne se fassent pas de mousse, on va pas les montrer du doigt. Au contraire, notre boulot, nous, c'est justement de travailler pour que tout le monde soit à peu près sur la même ligne de départ. Voilà. Donc, Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, qui, pour pouvoir continuer à vivre comme toutes les petites structures associatives et particulièrement politiques comme nous, engagées dans un combat sans merci contre l'État policier, contre les puissances financières, etc., etc., etc. Je ne vais pas vous faire le catéchisme, ça pourrait être un peu gavant, mais en tout cas, vous connaissez l'esprit de cette radio et de ceux qui l'animent. Radio Libertaire, donc. Ensuite, nous avons cette deuxième œuvre, la Libraria Publico, aussi une petite structure associative, militante. Et les librairies, déjà, celles qui sont pas militantes et celles qui sont pas associatives, ont du mal à survivre, comme tout ce qui est modeste dans ce pays, mais modeste, mais libre. On essaye de plus en plus de nous enfermer dans des grands ensembles où l'humain est complètement massacré. Donc la Libraria Publico, aussi, qui on peut qualifier, avec un peu d'emphase peut-être, mais pourquoi pas un peu de lyrisme de temps en temps, le cœur de l'anarchie parisienne, enfin un lieu en tout cas assez mythique, le rendez-vous aussi international de tous ceux qui, à travers le monde, partagent nos idées, qui viennent à Paris, qui viennent à la Libraria Publico, c'est pas des racontards, c'est vrai. Et puis, c'est aussi un lieu, si vous voulez, qui peut, j'ai le souvenir d'avoir connu Publico quand il était rue Ternaux, donc après le Château des Brouillards, à Montmartre, et comme jeune homme un peu en déshérence politique, c'est là que j'ai pris contact pour la première fois avec l'anarchie. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à vivre un petit peu au rythme de cette utopie. Voilà. Donc je suppose que c'est toujours pareil aujourd'hui, que les jeunes gens, des très jeunes gens qui viennent à la Publico pour la première fois peuvent être séduits par les idées qui sont dans les rayons de cette librairie, par les bouquins, par la presse militante, par la musique et par des tas de moyens qui sont à leur disposition. Évidemment, tout ça, c'est un peu payant. Il faut bien que la librairie vive, surtout qu'elle a deux permanents qui sont indispensables à cette vie, justement, puisqu'ils font un travail remarquable de relations publiques, d'information de ceux qui passent là, sur notre utopie. Si vous leur posez des questions, ils sont capables de vous répondre, parce que ce sont eux-mêmes des militants de terrain qui se battent au quotidien dans diverses
dans diverses, enfin, qui se battent dans diverses luttes, pour les sans-papiers, pour les sans-logis, etc., etc., particulièrement Laurent du groupe d'Ivry, mais aussi Max, de son côté, qui est dans un autre groupe militant de la Fédération anarchiste. Voilà. Alors, c'est 145 rue Amelot, on vous le répète, tous les mardis, à côté de la République, métro Aubert-Camphi du Calvaire. République, vous pouvez y aller à pied, en métro, en bus ou en vélo. La bagnole, c'est pas recommandé parce que pour se garer, c'est mission impossible. Voilà. Puis alors, la bagnole, ça pue. Donc, c'est pas un truc vraiment qui peut redonner à notre terre des bonnes couleurs. Et puis, la troisième œuvre de la Fédération anarchiste, et pas la moindre, Le Monde libertaire. Alors, on a la radio pour faire passer nos idées. On a la librairie Publico, faire passer aussi nos idées, mais par le livre ou par la presse écrite engagée. Et Le Monde libertaire, eh bien, c'est la parole écrite de la Fédération anarchiste avec des contributions, pas forcément militantes, mais de gens qui sont en sympathie, si on veut dire ça comme ça, avec notre mouvement, des plumes brillantes comme le Varet, etc. Et des articles militants aussi de groupes de la Fédération anarchiste sur toutes les questions qui sont en ce moment des questions qui mettent en cause notre propre vie. C'est tout simplement ça, c'est la vie. Quelle vie on a, quelle vie on va avoir. Voilà, et tout ça, dans Le Monde libertaire, on vous donne des pistes, on vous donne des envies d'en savoir plus, et peut-être, pourquoi pas, de prendre position fort de ce que vous y apprenez. Alors, ça paraît une fois par semaine, vous pouvez le trouver à la librairie Publico en dépôt de presse. Vous y abonnez aussi à la librairie Publico, vous savez que des journaux comme ça, des journaux militants, un abonnement, s'appuyer sur des abonnés, c'est quand même important, parce que c'est quand même un socle qui permet de travailler, quoi. Parce que bon, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps aux quelques militants qui sont impliqués dans la rédaction de ce magazine, de cet hebdomadaire, qui en ce moment, j'espère que ça pourra durer encore un peu, et aussi, il y a un supplément gratuit du Monde libertaire qui paraît tout quinzomadaire ou hebdomadaire, ça dépend des fois, et qui peut donner aux gens l'idée de ce que c'est que Le Monde libertaire, que c'est un voilà, on distribue ça dans le métro, il y a des dépôts un peu partout, dans des cafés, des bistrots, les havres automatiques, enfin partout où des gens sont susceptibles de poser leur derrière et ont un peu de temps pour pouvoir le lire. Dans le métro, faut dire qu'aujourd'hui c'était un peu calme et probablement, comme me disait ma camarade, probablement à cause de ce pont de la Pentecôte. Et les gens étaient plutôt, c'était un mardi, lundi, quoi. Donc, ils n'étaient pas tout à fait disponibles pour recevoir Le Monde libertaire. On en a quand même distribué à peu près 80, mais en une heure et demie, alors que d'habitude, on en distribue une centaine en même pas une heure. Des fois, on a même une fois, en une demi-heure, on en a distribué 100. Voilà, mais c'est de toute façon, c'est vachement sympa de pouvoir regarder les gens dans les yeux en leur tendant Le Monde libertaire quand ils le demandent. Et il y a vraiment des gens qui le demandent, des très jeunes gens, mais aussi des gens moins jeunes. La majorité sont en quand même des jeunes et qui semblent vraiment intéressés. Il y a quelque chose dans le regard qui fait du bien. Voilà. Donc Le Monde libertaire, le supplément aussi, toutes les semaines. Cette semaine dans ce numéro, il y a des articles sur l'avenir des luttes, sur par exemple Fralib, sur la météo syndicale, sur la lutte des mal logés sur Paris, l'action anti-pub à Poitiers, l'homophobie, spécialité française, c'est une interrogation, la situation en Espagne, l'anniversaire indigné pour l'Espagne, les étudiants en grève au Québec, vachement important, vous n'entendez pas parler, du tout parler dans les médias traditionnels, voilà, le syndicalisme révolutionnaire, quelque chose sur Malatesta, la libraire anarchiste,
Et voilà, Radio Libertaire. Il y a l'agenda de Radio Libertaire aussi et les manifestations qui peuvent se dérouler à Publico ou dans d'autres lieux anarchistes. Voilà. Et pour finir, je voudrais faire un petit clin d'œil à l'émission Le Mélange, tous les dimanches de 17h à 18h30, si j'ai bien capté, à Michel Polizzi, qui a la gentillesse de parler de nous dans son émission assez régulièrement. Donc, écoute, c'est un prêté pour un vomi, Michel. Hein, en même temps, moi, j'écoute régulièrement ton émission et ça me fait vraiment du bien parce que c'est un mélange de musique classique, de musique traditionnelle, et aussi de musique actuelle, etc., etc., etc. Et c'est varié, donc on n'a pas un truc, un espèce de marteau qui nous tombe sur la tête pour dire vous avez bien compris ce qu'on veut vous dire. Voilà. C'était la 155e de d'Arracaille sur Radio Libertaire avec Piqué Coup Allergie qui lève la main pour dire quelque chose. On voulait parler de Thierry un petit peu. Ah oui, exposition, voilà. Notre ami photographe Thierry Rousseau-Aymard là, qui expose à Bastille et à Quiné les samedis et dimanches et qui là est dans une galerie qui s'appelle la galerie Manard Galerie, 22 rue Côte dans le 12e arrondissement, dont il expose là d'aujourd'hui jusqu'au mois de septembre à peu près. Ouais. Donc vous pouvez y aller, je vous assure que c'est un boulot vachement intéressant. C'est pas un boulot de photographe, c'est un boulot qui se sert de la photographie, mais la photographie lui sert à composer, à faire des compositions photographiques assez surprenantes et surtout avec une espèce de force de c'est un vrai sont des on dirait non, moi comme je suis peintre, je dirais des peintures photographiques, mais ça va au-delà de tout ça quoi, c'est quelque chose qui vous remue. Bon. Merci. Au revoir. Au revoir. Tout de suite après, une autre émission. Quittez pas l'écoute de Radio Libertaire. On n'est pas tout seul à l'animer.